bonsoir à tous, ici la Pawaza. Et salut les gens, c'est Naromanga. Pour la suite de Phineas et Ferb, que ça fait un sacré moment qu'on l'a pas filmé là du coup. Ah bah, Il va falloir se réhabituer un peu. Ça fait tellement longtemps qu'on se rappelle plus des touches. Et on se rappelle plus trop où on en est aussi. Bref, bon, on va charger la partie. Yep. Hop. Et oui. Non. Nya. Oui. Voilà. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Et alors. Et bah, Phineas comme d'habitude. Et bah, moi Perry. J'appuie sur A, hein. Oui. Ça marche mieux. Oui, mais je savais plus. Voilà. Voilà, et du coup on est parti. Et sinon, c'est un petit. Différent. Oui. Ah oui, donc oui, on est. Tout à fait. On va les laisser causer. On peut pas se. C'est bon. Donc sinon, on est sur ultimaventure.fr, tout ça, non? Voilà. Je sais pas, je le dis jamais d'habitude. Eh bah, faut le dire. Eh bah, oui. Eh bah, maintenant, vous le savez. Hop. Eh bah, améliorons ça. Est-ce qu'on peut? Hop. Est-ce qu'on peut améliorer d'autres trucs? Non. Non, ça ne s'améliore pas. Et... si! Ça s'améliore. Ouais! Oui! Voilà. Bon alors, les touches. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Ça m'étonnait aussi que tu t'es toujours pas fait. Alors là, l'appareil est en train de se rappeler des touches. Oui. Alors ça sert pas pour l'instant. La pauvre, elle est complètement paumée. Moi, non, je rappelle, non, ça va, ça et puis ça pour l'instant et puis voilà. Bref. Un vieux bateau à Aube. À Aube. Absolument, il n'a rien d'une antiquité. Willy est absolument ultra moderne. Willy. C'est possible de monter à bord? Bien sûr, tu pourrais aussi me donner un coup de main sur le bateau. D'accord, le bateau, je vais monter sur le bateau, je vais te foutre une baigne. Non, c'est pas, ça marche pas la blague. Va d'abord sur le pont inférieur. Lapin a oublié comment commenter une vidéo. Mais non, mais j'ai une commenté, mais t'as pas entendu, alors... Non, bah vas-y, dis. C'est le bateau de Mickey, non, dans le tout premier épisode ou... Bah c'est un rappel, mais non, c'est pas le bateau de Mickey. Le bateau de Mickey, c'est un bateau à vapeur. Oh, bah on dirait. Un peu. Voilà. Je veux aller là, je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr... Ah bah, il y a vraiment un truc, en plus. Oui. Bon bah, écoute, prends le jus. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Non, faut que tu sois dans le... Ah d'accord. Bon bah on descend. Nous avons des invités non désirés. D'accord, oui, d'accord. Effectivement. Bon, bah. Effectivement, c'est des invités qui sont pas... Ouais non, c'est pas cool, hein, franchement. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Qui a eu l'idée, la merveilleuse idée de les inviter? Franchement, Doofenshmirtz, je suis sûr, c'est lui. C'est pas très mal. Certain, c'est lui. Quand il y a une connerie à faire, c'est toujours lui. Oui. Sauf des fois où malheureusement on l'accuse alors qu'il y est pour rien. Oui, mais c'est comme Jun Soran, hein, c'est toujours de sa faute. C'est ça. Bon bah ça c'est fait. Je crois que nous avons fait un... Oula. J'allais dire nous avons fait un massacre, mais je crois qu'on a surtout massacré le bateau. Ah, cette vague a mis le désordre dans ma cargaison. C'est quoi cet accent? Bon, il l'a toujours eu de toute façon. Alors, du coup, faut ranger correctement. Oui, bah. Elle... On peut utiliser oui, mais gravité pour les remettre en place. Que je vérifie, par contre. Non, mais viens ici. Que oui. Je vérifie d'où qu'est quoi. Alors, les bananes sont en haut à droite. Ici, les pommes. Là, c'est les pommes. Et donc là, c'est les raisins. D'accord, bon, alors, bananes. Ici. Ah, bon, bah attends. Mon charge. D'accord. Dégagé. Bah, pendant ce temps-là, lapin, il résout l'énigme. Enfin, l'énigme, oui. La gueule de l'énigme, toi. L'énigme ultra compliquée. Ah, qu'on nous inflige. Quelle pile de linge a été lavée avec Olympe, oh, la lessive des dieux. La lessive des dieux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la référence, c'est bah. Astérix et les 12 travaux, faut regarder. Oui. Enfin, les 12 travaux d'Astérix, pardon. C'est absolument épique. C'est un de mes préférés d'Astérix. Ah bah là. Oula. Si vous ne réussissez pas, vous serez plongé dans les profondeurs. Dans les profondeurs infinies, je sais plus quoi. Après être monté jusque là, ah non. Ça m'a surtout fait penser à la série abrégée de.
Les chevaliers du Zodiac, hein. Mais non, ils sont sombres dans les profondeurs insondables pleines de microbes de l'oubli. Ouais, mais c'était pas ça que je pensais. Cargaison, c'est un mot bizarre, non? Vous dites si tu le dis. Remonte, je vais t'envoyer l'élévateur. Non, tu nous l'as déjà envoyé. Wouh, bonjour. Non, enfin, je veux dire, cargaison, c'est un mot bizarre, oui, si tu le dis. Pas de plan. Ouais, y a plus bizarre quand même. Bien. De passé douloureux. Tais-toi. Mais pourquoi je parle de ces choses? Parce que tu es bizarre. Oui, et que tu l'as toujours été. Non, pourquoi il est parti? Il est resté en haut. Reviens. Copain. C'est... Non mais je vous jure. Non, copain, c'est dans Amnésia. Eh bah... je sais pas... Reviens avec moi, je vais te garder comme ça va marcher. Voilà. Là au moins je suis sûr de l'avoir. Forcément ça l'autre bout, tu sais. Nous y voilà. Ouais, youpi. Merci, vous êtes géniaux. Vraiment, ce n'était pas ironique. Vous êtes géniaux. Et c'est seulement une secousse qui allait faire ça. Oui, qui bah allait oui. Foutre autant le. Et c'est bien entendu, c'est normal qu'une secousse fasse en sorte qu'une caisse qui était à l'intérieur du bateau se finisse à l'extérieur et oui, dans la cabine. Dans la cabine du conducteur. Normal, normal. Enfin, du conducteur. Non, comment ça s'appelle? Du capitaine. Ah, merci. Oh là, on a loupé une caisse, je suis pas d'accord. Retour arrière. Pièce. Pièce. Je veux reviens la pièce. Je veux la pièce. Je veux être riche. Donnez-moi dit l'argent. Pas cher, pas cher. Pas cher. Ah bah voilà. Bon, bah ça c'est fait. On a l'air fin. Vas-y, cours. Le bateau il est quand même vachement grand, hein. Ouais. Alors, c'est nous qui sommes vraiment tout petits. Bah après tout, c'est un enfant et un ornithorynque, alors... Oui, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'approches comme ça de l'écran? Vous verriez, lapin, il est en train de s'approcher comme ça. Je sais pas, mais non, je fais pas exprès, fais même pas exprès. Faut mettre tes lunettes. Je fais même pas gaffe, je les ai pas, mes lunettes. Pourquoi t'as mis des gants? Ah, parce que j'ai changé d'arme. Attention, il y a du vent. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'accord, Phineas, oui, j'ai pas... oui. Je sais pas ce qu'il a dit, mais... Mais il l'a dit. Tout à fait. Comme le Pokémon? Non, ça c'est pas un Pokémon. Si, ça va, tout oui, mais j'appelle pas ça un Pokémon. Enfin, on donne pas un nom aussi débile à un Pokémon. Ah oui, ça par contre, je dis pas, mais... Bah au moins, il a le mérite de ressembler à un Pokémon. Tu viens avec moi, je suis sûr qu'il y a une pièce là-bas. Oui. Je suis sûr, mais par oui, contre, au que moins, les il y ressemble. Ah non, les nuages, ils disparaissent. Non, ah bon, bah au revoir. C'est moi qui disparais. Ouais, bah et moi alors. Bon, bah d'accord. Bah bonjour. Au moins, t'as eu la pièce, c'est pour ça. Oui, bah au moins, tu m'as fait revenir, c'est sûr. Bonjour. Wow. Bon, y a plus rien, voilà. Tu voulais aller en haut, c'est ça? Non. Tu vas aller en haut sans moi, c'est ça? Tu vas m'abandonner? Non, c'est pas vrai. À vous. Oh, t'es mon ornithorynque, je vais pas te laisser tout seul. Vous avez vu les gens, pour être, je ne suis qu'un ornithorynque. Attends, je suis sûr qu'il y a une caisse. Non, y en a ouais, même pas. Ouais, je reviens. Non. On va voir. C'est bien, au moins il y a des panneaux pour indiquer qu'il y a du vent. C'est vrai qu'on s'en doute pas. Ça se voit pas, attends. Oh, je recule. Comme c'est amusant. Puis le vent, c'est marrant. Suivant l'endroit où t'es, il va de droite à gauche. Ah ! T'es en bas, il va à gauche. T'es en haut, il va à droite. Normal. C'est ça. Hop. Tut ! Tut ! Hop là. Hop. Bonjour. Hop. Bonjour. Hop. Bonjour. Dis. Ah ! Je vais partir à cause de toi. Ouais, non. Mais reviens. J'allais me casser la gueule. J'ai eu peur! Nya! Et alors? Non mais, je te jure! Mais j'ai failli me casser la gueule, moi aussi j'ai eu peur! J'adore le et alors? Non mais j'en ai rien à foutre de toi! Hein. Mais non, mais. Bonjour! Ah bon bah on a loupé une pièce, elle devait vraiment y en avoir une sur les. Oui. Sur les hélices. Bon bah c'est pas grave. Tant pis! Non, on s'en fout! Oui! Oui, c'est toi qui choisis, c'est toi la première. Non, mais tu peux appuyer sur A. Bon bah. Me te moque pas, c'est pas gentil. Allez hop. Va falloir t'habituer un jour. Je me fige tout le temps de la gueule des gens qui sont avec moi. Bienvenue à notre ferme. D'accord, merci, merci Isabella du monde parallèle en noir et blanc. Il n'y a rien d'amélioré. On peut t'aider? Ça nous donnera une idée de la vie à la ferme de l'ancien temps. Mais on en a rien à foutre. Bien sûr. Hey, je suis en mode ninja. Plutôt kung fu. Tu pouvais pas simplement le prendre à la main, le panier, non? Non. Il faut vraiment le... C'est pas assez bien pour toi. Le faire. Vas-y.
J'ai pas fait gaffe à ce qu'elle disait, par contre on doit aller où? Je sais plus. C'est un petit peu embêtant. Faut pas l'amener aux vaches. Je crois que c'est ça, faut l'amener aux vaches. Non, viens, reviens, c'est en haut. C'est en haut. T'es sûr? Oui. Enfin non, je suis pas sûr qu'il faut l'amener en vache, mais je sais que les vaches c'est en haut. Oui, enfin c'est surtout ça que je te demandais. Non mais j'avais souvenir que quand on a fait le jeu la première fois de notre côté. Est-ce que c'est moi ou j'ai récupéré la dernière pièce? Oui. On s'était perdu dans le labyrinthe, mais... Oui. Nya. Peut-être là-dedans plutôt. Peut-être bien. Faut que j'arrête de confondre les boutons. Je suis pas sûr. Eh, ça par contre c'est une référence à... Comment elle s'appelle? Clarabelle, non, c'est ça? Peut-être bien, oui. C'est Clarabelle, oui, qu'elle s'appelle. Bah, y a pas forcément qu'elle, hein. Dans le premier épisode avec Mickey, il y en a aussi des... Y a une vache, elle a bouffé les notes que... Enfin, on va pas tarder à le savoir. Que Minnie avait apporté. Ah non, faut les donner à Phineas. À Phineas? Bah oui, le Phineas de l'ancien. Ah. L'ancien, enfin, le Phineas de l'ancien, le Phineas de l'ancien temps. On n'arrive pas à choper une pièce. Oh mon dieu, c'est juste qu'elle est au-dessus de nos têtes, mais bon. Oh, il y en a une ici. Pièce! Pièce! Il y en a une là-bas! Pièce! Non, c'est pas ici. Et il y a la 3e et 5e ici. Non, là, c'est bon, bref. C'était pas ici. C'est par où? Voilà, je l'avais dit, on s'était perdu la dernière fois qu'on était passé par là. Là, non, c'est au-dessus, c'est là! Ah, c'est fourbe. Je veux avoir la pièce! Je veux avoir la pièce! Voilà. Il y en a une en bas. Il y en a une en bas, ouais. Bah, tu vas la récupérer? Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Je t'en... Bonjour, ça va la farm, tranquille? Oui, enfin, Perry il parle pas, mais... Ah oui, c'est effectivement ici qu'il faut aller. Salut. Oh, c'est mon repas? Non. Apparemment. Non. Vous êtes là pour m'aider? Non plus. Oui, monsieur. Monsieur? C'est toi? Vous pouvez commencer par porter ce foin à mes vieilles vaches là-bas. Évidemment, t'es à l'autre bout du niveau. Mais enfin... Oh. Quoi? Il parle comme ça, mais c'est un gamin. Ah, il y a des nérissons. Tu me protèges des nérissons? Ouais, des porcs épiques. Généralement, on n'utilise pas le rayon anti-gravité. Oui, mais parce que j'avais que ça, et du coup, fallait que je les repousse. Je peux pas poser de l'autre côté comme ça? Non, je peux pas gruger. Regardez, je veux pas être méchant, mais genre. Eh bah, tant pis, viens. Oui, j'arrive, madame. Enfin, monsieur dans le jeu. Enfin, garçon. Truc. Monsieur dans le jeu et madame en vrai. Réparer notre vieux tracteur, c'est la saison de la cueillette. Oui, sinon on n'est pas vos larvins du tout. En mauvais état. Il nous faudrait un hacker numérique. Bah oui, normal. En même temps, un hacker numérique. Dans cette époque, un monde comme ça. Normal. En même temps, c'est Phineas qui a proposé de bosser avec eux. Alors. Oui, c'est. Et gratuitement en plus, c'est pas juste. C'est Phineas en même temps, bonne poire. Ouais. Génial. Ah, c'était un mode. D'accord. D'accord, très bien. Bah maintenant les gants ninja ils peuvent... Voilà, on peut se mettre sur les murs avec les gants. Tout ce qui tombe dans la piscine sera abîmé par la colle corrosive. Ah non, d'accord, on peut aussi envoyer de la colle corrosive. D'accord, de la colle corrosive. Ça choque personne. Mais pour qu'est-ce que je fous contre le mur, moi? Le mec là, vas-y. Non, je cours contre le mur, là, c'est drôle. Ça peut te faire rire. Bon, il y aura la pièce là à récupérer. Tiens. Elle bataille de jus d'orange. Fais gaffe parce qu'on n'a pas munitions illimitées. Je sais pas où se trouve la dernière pièce. Si, elle est en bas, mais je pense qu'il faut sortir chemin. Du... C'est ici le chemin. C'est ici. Oui, mais je pense qu'il faut sortir du champ. Les bruits circuit de Formule 1. Nous n'avons pas de budget, donc nous faisons les bruitages là-bas. C'est ça, comme dans la Cité de la Peur. Tu fais drôlement bien le chat. Ouais, bon bah déjà la pièce. Mais elle est où la dernière pièce de la machine? Bah je ne sais pas. Bon bah elle doit être au début du niveau, tu sais, dans le truc de boue là. Peut-être bien. Ah bah c'est possible, oui. Hop, bonjour. Hop là, l'angle droit. Oh mon dieu, c'est un cul-de-sac! Dis donc, je ne m'y attendais pas! Bonjour. D'accord! Mon oreille! Pardon. Non, mais je veux pas être méchant, mais ça, c'est pas un trou!
Ça, c'est de la boue. Tu tombes pas dans de la boue. Et voilà. Est-ce qu'on a récupéré un stylo? Je sais pas. Hop. Appuyez, cherchez. Ouais, construisons. Et ça, c'est fait. Youpi, nous avons une nouvelle arme. Ouh. Qui va servir à rien. Voilà. Je sais plus. Dans les circuits du tracteur. Ah oui, non, si, c'est vrai. Voilà les programmes de sécurité. Ils vont nous empêcher de brouiller notre code. Ah oui, c'est vrai. Alors, en gros, on explose les programmes de sécurité. C'est vrai que c'est normal qu'il y ait tout un truc comme ça dans un tracteur. Va-t'en, machin, allez, va-t'en. Dis-toi là-haut, t'as pas l'impression d'abuser. Eh oh, arrêtez d'attaquer nos trucs, hein, non ? Y en a marre. Je protégerai la pyramide. Ça suffit, allez-vous-en. C'est pas facile de viser, c'est mal fait ce... Ah, c'est sûr. On a plus de vie ? Non. C'est bon. Bien joué. Tu les as laissé détruire ta pyramide à toi. Hein. Mais j'arrivais pas à les enlever de là. Hop. Ah oui, c'est pratique. Pas. C'est pratique. C'est oui, j'aime bien l'idée. Bonjour. Eh, voilà la source d'énergie. Eh ben c'est cool. Excusez-moi, on peut prendre cette énergie rougeoyante. Rougeoyante, elle est verte. Il leur parlait de dimension suivante, ils savent même pas de. C'est ça, voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. J'ai envie de t'aider. D'accord, prends tout ce dont tu as besoin ici. Ok, alors je vais prendre tout ton foin, je vais te prendre tes vaches, je vais te. La grange aussi. Ah ça tiens, peut on être a bien. Débloqué un succès. La vie de l'ancien temps. Ou cette vie de l'ancien temps, j'ai mal lu. Bon, sinon, ça avance ou pas? Pissura. Comment ça, ça avance? Bah, l'histoire, pas. Je veux dire. Bon, bah voilà. Au moins, on n'est pas resté trop longtemps ici. Je ne me souviens plus de la couleur de ma veste et de ma chemise. Noir et blanc. Je suis pas sûr que ce soit vraiment compliqué. Ah oui, ma veste est blanche et ma chemise est noire. Bon, c'est quoi cet endroit? C'est un univers de gnomes. C'est ça. Et du coup, bah, on va faire l'univers des gnomes. Oui, putain, la vache. La maison, elle est toute petite. Ce n'est pas passé loin. Ouais. Bah, je suis Perizilla, je marche sur ta maison. Bah. Bref. On peut monter. Non, ah, par contre, on peut. Il y a un truc à faire ici. Est-ce qu'on peut soulever ce truc-là? Je ne sais pas. Elle prend ton rayon anti-gravité. On voit rien. Ouais. Je sais pas parce que ça visait des trucs. Non, en fait, ça devait être juste des champignons à exploser. Peut-être bien. Bah, dis. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais sans tes habits de nain? Ils vont venir te chercher. Non, ça va aller. Tant pis. Ça va, j'utilise du jus d'orange. Et ils nous forcent à entretenir nos jardins à la perfection. Ceux ouais. Ceux qui ne portent pas les habits de nain de jardin sont punis. Ouais, enfin ouais, à côté tu ressembles quand même à un clochard. La violence. Oui, bon voilà, au pire on s'en fiche, hein. Au pire vous, on n'est pas obligé de les laisser parler, on peut. Ils peuvent lire les gens aussi hein, oui. Sur la vidéo. Voilà, les gens, si vous ne saviez pas lire, maintenant on vous oblige. Oui, bah oui, normal. Genre, tu sais, la route elle est cassée comme ça. Oui. J'ai envie d'aller jusqu'au bout pour voir. D'accord, non, ça tombe. Pour voir si j'ai une caisse. Hop là. Bon, la pièce elle est là-bas, d'accord. Bien. Adieu. Et voilà. Hop là, vous allez tous mourir. Et voilà. C'est quand même vachement pratique le jus d'orange. Oui. Franchement, je veux bien la même hein. Et c'est quand même pratique. Moi, la prochaine fois, si je vais à une manif un jour, je vais avec du jus d'orange. Hein. T'en balances sur la police. Fuck la police avec du jus d'orange. Normal. D'accord, donc non, on peut rien faire pour l'instant. Faut aller chercher les trucs. Bien, alors plouf. Plouf. Je suis un poisson. Et a-t-on de l'amélioration à faire? Bah oui, de toute façon, on a une nouvelle arme. Ouais. Hop. Donc on peut forcément l'améliorer. Hop là, des dégâts, capacité de munitions, voilà, hop, au revoir. Un Oreo! Ah non. La pièce, elle est de l'autre côté.
Non, elle est au niveau du... du truc poisson, qu'on va utiliser. Poisson. T'appelles ça une pièce pour une machine, toi? C'est une grosse planche. Non. Ça peut toujours servir. Ça paraît tellement plus logique que moi, je nage comme ça plutôt que toi. Bah oui, là, ça fait vraiment poisson rouge ou... Je sais pas. Poisson roux. Pour Phineas. Oui. Hop, c'est bon, j'ai la pièce. Ouf. Ouais. C'est pas facile à contrôler, je tiens à le dire. Ouais. Ah, wouh. Je l'ai échappé belle, hein, je tiens à le dire. Et voilà. Bonjour. Et plouf, et hop, et voilà. Ah, t'es d'un an, Phineas, ramène-toi. Oh, ça va, hein. Et... Oui. Bah oui. Tout à fait. Normal. Une pièce. Je sais pas lequel de nous deux a récupéré, mais... Je crois que c'est moi, mais je suis pas sûr. Bah, je crois aussi que c'est toi, mais pareil, je suis pas sûr. Donc ça. Oh mon dieu, des nains de jardin. T'sais, ça j'ai fait un cassé peu... une boîte aux lettres. Ça fait un peu comme les ASDF movie, tu sais. Lancez le fromage. Bah là, c'est... Non, c'est yeah. Tirer le jus d'orange. Lancez le fromage. Dis donc, t'as perdu de la vie. Bah oui, je sais pas pourquoi, j'ai fait voilà comme ça, comme d'habitude, mais... Oui, mais t'as fait n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est... Je suis une gentille. Oui, mais t'as fait n'importe quoi quand même. C'est pas vrai. Non, mais viens ici, y'a des... Voilà. Je suis pas toujours un boulet. Non, t'es une patate. Je suis pas toujours une patate. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, c'est direction Kirby, les gens, hein. Avec lapin super patate. Lapin super patate. Ah, les gants. Alors on peut pas descendre. Alors attendez. Ouais. Y'a pas de soucis. Et oui les gens, nous avons une vie sociale, ce qui fait que des fois nous devons parler à d'autres gens pendant les vidéos. C'est fou hein. Oui je sais, ça vous paraît bizarre à vous aussi, mais nous avons une vie sociale, ça fait... Je sais, c'est horrible. À la tienne lapin. Oui, moi je dis pas à tes souhaits, moi je dis à la tienne. Ah, bonjour, toi avec ta tondeuse. Ok, tout à fait. Ah. Et c'est une amélioration pour... Ouais. Ouh. Génial. D'accord, on fait plus... Oui, monsieur. On fait plus mal. Avec notre jus d'orange. Et voilà. Oui, bah par contre, faut venir. Voilà, bonjour. Wow. Mais on veut pas les détruire. Donc faut passer, simplement. Bon, bah passons. Oui, tu peux en sauter au-dessus, hein. D'accord. Aïe. Disons que t'as perdu vachement de vie. Oui. Attends, y'en a plein ici. Oui. What? Vous jartez. Mais avant, on attaque les nains. Je trouve ça moche, les nains de jardin. Oui, voilà. Ça fait peur. J'ai eu peur sur le coup. J'allais dire que t'allais sortir un truc qui allait nous poser des problèmes après. Non, pas les nains. Les nains de jardin. Récupère de la vie, toi. J'essaye. Ah, on pouvait partir depuis le début. Je sais pas, mais je me suis foutu devant avant. Ça avait pas marché, alors... Ouais, bon. Oh, on n'a pas toutes les pièces. Mon dieu, c'est triste. On va mourir. Eh, hey, tu m'as battu sur le nombre d'ennemis. Yeah. Je suis pas d'accord. Tu fais la tête. Ouais. Fais un bisou. Les gens ils s'en foutent déjà de tout ça. Hein. Oui mais voilà. Ah bah amélioration. Là normalement on en a. Je pense. Je crois. Ah bah non. Bon bah. J'ai envie de changer. Ah bah non, on n'a pas d'autres bruiteurs. Bon bah tant pis. Yeah. En plein dans le mille. Ouais. Tout à fait. Merci. T'en as pas marre de dire tout à fait comme ça? Tout à fait. Bah oui, mais soit ça, soit Pouic, soit je sais pas. Oui, vous me direz. Hop. Moi je fonce droit devant avec mon jus d'orange à l'attaque. Chargé. Attends, je vais ici parce que je suis sûr qu'il y a une pièce. Ou un truc. Même pas. Donc vous êtes sérieux? Ça change l'emplacement de la caméra, mais ça y a rien dedans. Oui, bah oui. C'est un troll. Ouais. Le jeu il troll.
Mais c'est pas sympa. Puis c'est moche un troll. Voici la source du pouvoir des nains de jardin. C'est cool. Je pense que si j'étais dans une autre dimension, je me soulèverais et je résisterais. Ouais mais non. Nous devons aider les gens à se libérer de ces nains de jardin oppresseurs. Ouh. Alors vous voyez, ça c'est typiquement, mais alors typiquement le genre de scénario complètement what the fuck d'un Phineas et Ferb normal. C'est ça. D'un épisode de Phineas et Ferb, c'est ça, hein, franchement. Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu des robots. Bonjour, bonjour. Ça va, la forme? La famille. La famille. Belzébuth. Famille, Belzébuth. C'est bon ? Plus personne ? Aïe ! Je pense qu'il y a encore des gens. Oui, voilà. Meurs. Voilà. Bon, ça devrait être bon, normalement. Et c'est tellement bien fait la vie que quand on a tué le dernier ennemi, et bah les plantes, elles partent. C'est quand même cool. Bon, on fait de gauche à droite ? Elle est bizarre, Isabella, en un jardin. Oui, c'est sûr. Donc on fait de gauche à droite ou pas ? Oui. Bah. On va dans l'ordre. Ah, déjà, moi, je vais aller voir par là. D'accord, c'est la fin du tuyau. Il y a un tuyau, déjà. Il y avait des champignons. Il y avait. Des champignons. C'est quoi cette musique? Forcément, c'est au moment où on se tait pour l'écouter qu'il n'y a plus. Hein? Normal. Ah non, mais les musiques de nos jours. Ça craint. C'est pas comme si on sortait tout le temps les mêmes blagues, hein? Non. C'est pas vrai. Juste. Beaucoup. Alors, faut savoir que Phineas et Ferb, c'est pas un jeu qui est réputé pour sa longueur, donc je me demande qu'est-ce qu'on fera comme ultime aventure en multi plus tard. Je ne sais pas, les gens, si vous avez des idées. Si vous avez des idées, proposez, hein. Bonjour. Ah, bonjour, ça va la forme? Hop là. Viens te prendre un caillou, non? J'ai dit te prendre un caillou. Te prendre un caillou. Bon, ah bah à défaut, je vais vous balancer des balles de baseball. Voilà. J'espère que vous avez mal. J'ai été entraîné par un caillou, j'ai pas aimé. J'ai été entraîné par un caillou, tu sais, genre, c'est le caillou est mon maître. C'est ton coach. On peut y aller. Perry est en coach et en plus, c'est un coach rocher. Un coach rocher, on dirait une mauvaise pub, tu sais. Le coach rocher. Non, voilà, tombe pas. Adieu. Bah, tu viens ou... C'est quoi ce fail? J'ai pas mis exprès. Hop. Hop. Je me suis fail. Prends la pièce. Ouais, prends l'amélioration. C'est une amélioration pour... On a loupé une pièce d'ailleurs. Ouais, apparemment. Il permet à notre lanceur de baseball de rebondir et de toucher d'autres cibles. Youpi, c'est cool. Waouh, magique. On s'en fout! Non, je me suis encore pété la gueule! Tu fais exprès ou? Je crois, oui! Le jeu il est pas dur, mais on arrive à mourir toutes les 5 secondes, on est balèze. Oui! Eh, c'est pas comme si on avait déjà récupéré tout à l'heure cette pièce là! Hein. Bah vas-y, les. Oui! A plus tard, le toboggan, d'abord je regarde s'il n'y a pas d'autres pièces! Ah ah! Adieu, monde cruel! Bon bah au moins t'as eu la pièce! Ouais! Y'a rien de l'autre côté, non bah non! Voilà. Je veux descendre. Qui c'est qui est devant? C'est toi. Pense à sauter de temps en autre, parce que s'il y a un trou et qu'on oublie de sauter... Ouais, je vais essayer. Non bon, c'est bon, il n'y en avait pas. Ouh. Et bah du coup, on peut continuer. Bon allez hop. Non mais t'as fini? Oui, j'ai bien compris que maintenant ça peut rebondir, mais quand ça même... Ça rebondit. Elle est en train de casser le village. Non mais je vous jure. Ouais. Espèce de délinquante. Au point où il en est le village. Oui, tu me diras, mais... Tu me diras tout à l'heure, j'ai explosé des statues. C'est vrai. On est des champions du monde, là. Alors là, mais... Adieu. Champion. Allez, je peux le faire. Je t'ai rattrapé. Yes. Est-ce que je préfère y aller doucement, autrement je vais encore me casser la gueule. Églou, églou. D'accord. Poisson, poisson, poisson. Évite les troncs. Je le sais. Hop, voilà. Mon dieu, c'est passionnant. Pouf. Oh là 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 là.
Que d'émotions. Que d'émotions. Je remonte. D'accord, c'est chacun de son côté en fait. C'est à ce moment-là que tu m'aimes pas. Mais si, voyons. Non mais dis-le, hein. Mais si, Dis-le face à tout le monde. Je t'aime. Attends-moi. Eh, dis donc, l'eau, là, c'est pas cool, là, tu... Bah, écoute, je pars sans toi, hein, et puis c'est tout. Eh, dis, je veux bien la récupérer, la pièce, merci. Il voulait pas, hein. Ouais. Youpi. C'est... Comment ça s'appelle? Aqualand... Oh, ça rame. Hop là. Ouh. On y a pensé. Ouais. Et puis, genre, tous les deux. Oui. Il n'y a pas que un sur deux, non, non, non. Comme tout à l'heure, quand on s'est cassé la gueule tous les deux en même temps. N'est-il pas? Hein? Oh oui, ça va. Oui, ça va plutôt bien. Toi, apparemment, par contre. Nya, nya. Hop. Et donc, le dernier passage. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. C'est la Gay Pride. C'est... Ou MLP. Oui. My Little Pony. Bravo. Pardon. Oh, pardon. Bien joué. Eh, mais je pouvais pas savoir que tu que t'allais passer aussi vite, oh. Mais qu'est-ce que tu... Attends-moi. Non. Non. Je me suis cassé la gueule. En plus, c'est pas valable, hein. Tout à fait. Désolé. Non, tu m'as ramené ici, quoi. Mais j'ai pas fait exprès. T'as pas... Non. Désolé. Au moins, tu vas venir ici. Voilà. Attends, à droite, il y a une pièce. Tu bouges pas. Si tu bouges. Si tu bouges. Bouge. Mon dieu. De la folie aujourd'hui. Non. Casser la gueule. Non, tu m'as fait tomber. Oui, je suis en... Non. Ça fait des... Ça y est, cette fois c'est fini. J'aime pas les nuages. Mon dieu. Arrête. Non mais là par contre t'as pas compris. En fait faut que tu viennes en même temps que moi à la base. Bah oui, merci. J'ai mal à la tête. Non. Bon bah ça déjà je vais être obligé de revenir vers toi. Non c'est bon, vas-y viens. Oh, moi je fais pas de pause. Je me suis loupé sur le nuage. Quoi? On est revenu ici, d'accord, on est super loin. Youpi. Mais arrête de te foirer! J'ai pas fait exprès! Mais t'as fini, oui! Mais non, j'ai pas fait exprès! Sale gosse! Mais non! J'arrive pas! Mais y'en a marre! Mais je le fais pas exprès! La pas super patate 2, version 3 plutôt. Mais... Le retour du comeback. Mais! Je veux devenir un Rainbow Dash, comme ça je pourrais voler. Et ça m'évitera les nuages. En pause! Neymar. Mais moi aussi. Non. Voilà. Neymar. Viens. Chut. Et tu voulais dire un truc, non? J'essaie de te tirer dessus là. Non. Comment on a fait? Je sais pas, mais là y'a pas que moi du coup. Voilà, passe devant. Comme ça, si tu meurs, au moins je saurai qu'il faut que je me jette dans le vide. Oui! Voilà! On veut pas de vous! On a déjà assez souffert comme ça! En fait, on se venge sur eux. Récupère de la vie parce que franchement là t'es en manque. Oui, je sais. Et bah alors? J'ai pas fait exprès comme d'habitude. Ouais, la parole est ok, hein, pour ceux qui se posent la question. Putain, ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de jouer. Oui, enfin, tu dis ça, mais c'est habituel ça. Ouais. Ils devraient le savoir depuis longtemps, les gens. Y'a pas la première pièce? Attends! Elle est peut-être en bas? Ah, non, elle est peut-être en haut surtout. Je sais pas. Bah, en principe, non, elle devrait plutôt être. Oui, mais non, mais tout à l'heure on a récupéré la dernière pièce en même temps que la deuxième. Oui, mais parce que le monde était tout petit. Bon, bah, elle va retourner au début rapidement, mais au pire, si on la loupe, bah tant pis. Ouais! Nyon, nyon, nyon. Nyon, nyon, nyon. Agnon. Nyon,
Oignon dans ta gueule. Oignon. Jambon. Jambon. Je sais pas, sur le coup j'ai pensé à... Comment... Ah non, j'ai pas le droit de Miyazaki. Pogno, voilà. Jambon, je veux du jambon. Pogno veut du jambon. Bon, alors, elle est où la dernière pièce? La première, plutôt. Pièce. Déjà, j'ai récupéré un truc, je sais pas quoi, mais j'ai récupéré un truc. Là, je peux pas aller là. Bon, on veut une... Derrière, là, ouais. Eh ben non. Que dalle. Nous désirons une pièce. Nous recherchons une pièce. Auriez-vous une pièce? Monsieur le champignon, avez-vous eu une pièce dernièrement? Non. Bon. Alors. La table, t'as vu une pièce? Au passage, puisqu'on y est. Contactez-nous au cas où vous la percevriez. Sur pièce@ultimeaventure.fr. Par MP, ouais. Ou je sais pas, ou dans les news. Au début? Non. Oui, par MP, si vous avez vu une pièce, dites-nous. On regardera pas, de toute façon, mais on reviendra pas dans le niveau, hein, donc c'est pour ça. Donc, ah, attends. Ah ah. Pièce. Champion du monde. Reviens. J'arrive. J'ai cru que t'allais te casser la gueule. Non, je me rattrape à chaque fois avec l'hélico. Le copter. Oui. Ah. Hélicoptère. D'accord, et on est en train de construire quoi en fait? Je sais pas, mais... Parce que... On construit dans l'eau déjà, on construit un jardin géant dans l'eau. Et voilà, youpi. En construisant un jardin. Oui. Bon, la ferme, vous appuyez sur pause pour lire. Mais oui, c'est moi. Qui d'autre t'appellerait d'une prison? Oh non. Quand la résistance va-t-elle te sortir de là? Ils ont d'autres chats à fouetter. Donc je vais vous appeler, j'ai besoin de votre aide. Pour chat. Tu fais drôlement. Bon, y'en a marre. La ferme. Vous appuyez sur pause pour lire et puis c'est tout. Et là, ils vont en chier pour lire. En gros, Candice a été capturée, on va la sauver, point barre. C'est ça. C'est un bon résumé. Par contre, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On va passer à la prochaine. Oui, c'est possible. Parce qu'on a déjà 38 minutes quand même. Bon bah, je te laisse dire tout ce qu'il faut dire. Oui. Et bah les gens, on espère que cette vidéo vous aura plu, que... Vous aurez bien rigolé. Que vous aurez bien rigolé avec nos bêtises et nos cassages de gueule. Et donc, bah, rendez-vous dans tous les liens dans la description, voilà, et à dans la prochaine vidéo, et puis voilà. Salut !